Bonjour, bonjour, ici Sierra Brisane pour servir et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Bloodstained. Alors, la dernière fois, on a récupéré l'arme qui permet de détruire le vrai ennemi du jeu, puisque notre ami a été manipulé. Et on va essayer de le sauver. Et on va changer de scène pour ça. Oui, alors, j'ai fait 2-3 recherches à droite et à gauche, non pas sur les sites, mais sur le... Dans la map, donc c'est pour ça qu'on voit quand j'ai bien avancé. J'ai rien trouvé. Alors on sait que ça, cette super épée là, de la mort qui tue, elle permet de détruire le machin. Enfin, la méchante. La question est-ce que ça pourrait pas non plus détruire l'enchantement qu'on a? Enfin, qu'elle met. D'ailleurs, est-ce que ça serait pas là où on apprendrait la compétence? Non. Et là, la question, elle est possible et probable. C'est, est-ce qu'il faudrait pas que je retue une deuxième fois, enfin une nouvelle fois plutôt, le boss? El boss. Là, par exemple, aussi, il faudrait qu'on puisse traverser les murs. Donc, je suppose que là, le but, ça va être de tuer une nouvelle fois notre ami Gable, mais cette fois-ci avec le Zanzetsu, pour pouvoir non pas le tuer, mais le libérer de son... de sa malédiction. What took you so long? You presume wrongly. What? I swore to you. I do. I've known it since our meeting on the gang. Fool! As you wish. Next. Ah, c'est peut-être pas ça, parce qu'on n'a pas peut-être, on n'a pas le même, on n'a pas le même texte. Ça a pas l'air trop compliqué comme la dernière fois. Ah, mais par contre, j'ai réussi à avoir une deuxième fin. Donc, ce n'était pas cela qu'il fallait faire. D'accord. Alors du coup, je vous avouerai que je ne sais pas ce qu'il faut faire. Ça semble logique que ça soit ici qu'il faut qu'on aille. Ça semble logique. Attendez. On a quand même eu... Oh non! Non. Non, ils vont pas m'avoir fait ce coup-là. On a une deuxième fin, ce qui veut dire qu'on a débloqué quelque chose. Mais alors, dans ce cas-là... Attendez. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui a échangé pendant le combat, mais j'ai pas fait plus attention que ça. Ah, Loki, c'est pas le meilleur moment. Aïe. Oh, j'avais pas encore eu cette cinématique là, sympa. Tout à l'heure, il n'y avait pas la... Là! Ça! Ça là-bas, ça a changé. Yes! C'est ça! Oh la vache!
Ah, on commence à... Il commence à disparaître. Oh non, c'est triste. La lune. La lune. J'ai déjà détruit la... D'accord. Alors. Apparemment, il faut que je m'amuse à buter toutes les lunes que j'ai déjà vues dans le jeu. Et il y en a un autre endroit où on a vu une lune. Alors déjà, on va enregistrer. Merci. Il y a un autre endroit où on a vu une lune. Il y a un autre endroit où on a vu une lune. Il faut que je me rappelle où est-ce que c'est. Mais il y a un autre endroit où on a vu une lune. C'était... C'est pas par là. C'est une grande salle. Il y avait des Robin des Bois juste avant. Donc... Bonne question. C'est une excellente question. Je crois que c'est par là. Là, il y a les Robins des Bois. Normalement, là, on va passer à une zone. On va y avoir les Robins des Bois. Voilà. Il y avait une zone là. Ah merde, c'est pas là. Il n'y avait pas une zone là avec la lune. Oh si, elle était pas comme ça. D'accord, bon bah on sait maintenant ce qu'il faut faire. Bon bah, here we go. On va aller où là? L'antre du monstre. Une zone secondaire. Je sais pas si je vais y aller souvent. Si je peux même y retourner tout court. Donc on va explorer ça de fond en comble. Mais ça m'a l'air d'être plus ou moins la fin du jeu. Hein. Je vous préviens. Bon. Ah ouais. Ils sont vénères les monstres là. J'ai l'impression d'être tout petit là. Oh la vache. J'avais bien raison, j'ai l'impression d'être vraiment tout petit. En fait on est dans sa gueule. On est où là? Pourquoi j'ai l'impression que c'est un boss, c'est un monstre? La vache. J'ai l'impression que c'est une redite des salles qu'on a vues. Mais en version tout petit. Oh ça va pas être agréable ça. Mais ça veut dire aussi que si c'est la même chose mais en version tout piti, on sait plus ou moins. Comment ça fonctionne. On va pas être trop surpris. Donc ouais, a priori, on peut retourner après dans la vraie zone. D'accord. Bon, alors, ça a l'impression d'être une redite des salles, mais en version je suis minuscule. Ah. Il a merdé. Le livre. Libère-le. Qu'est-ce qui va se passer? Elle me l'a volé. Ah! Master.
Bon, il est en train de crever. Là, il va lui donner ses derniers instants, ses dernières libertés. Dominique seems so keen on pitting me against the old alchemist that I decided to have a word, and unfortunately, which is Dominique has been manipulating us this whole time. If she had wanted to deal with this mess in an expedient manner, she would have sent you in, but instead, she divided our strength and insisted I chase after Alfred. Alfred was never trying to get an help. I'm not sure about you, but he got in my way. Donc la sœur était méchante. Oh la vache, c'est la sœur qui est notre ennemi. Ah, je crois que notre... D'accord, donc en fait, lui, il va en plus se sacrifier pour qu'on puisse le taper. D'accord. Donc là, on est vraiment sur la fin du jeu, on dirait bien. Bon. Il va y avoir quelque chose qui va sortir de plat du... Bah là. Merci. Alors je ne sais pas s'il faut que je passe par en dessous là. Je me dis que là il y a peut-être une zone sauvegarde. Non. Mais il y avait un coffre. C'est par en dessous qu'il fallait passer. D'accord. Bon. Allez, on va rester frais. On est peut-être sur la fin du jeu. C'est la fin du jeu, mais costaud costaud. Hein. Clé de millionnaire, d'accord. Alors oui, je cartographie la zone. C'est peut-être un peu vomitif pour vous, j'en suis désolé. Mais il y a des chances que ça soit les dernières fois que je vienne par ici. Bon, je vais éviter de les tuer. Après tout, ils sont pas capables de me toucher apparemment. Donc là, ils m'obligent à redescendre. What the... Je veux bien mourir, merci. Oh, ça va être d'un compliqué à faire toute cette zone, j'ai l'impression. Déjà, une zone de sauvegarde, ça me ferait plaisir.
Non, bah non, bah non, ça serait trop simple. Ah, on voit qu'il y a eu un coffre. On peut toujours espérer que ce soit un bon coffre. Un diamant. Oh, ça je prends. Oh oui, ça je prends, ça. Ça, comment dire que ça va être un peu obligatoire, là, pour le coup. Ah, vache. Je pensais pas qu'il était là dès le départ. Meurs. Ça c'est fait. J'ai quasiment plus de mana. Mais c'est pas grave, quand on n'a pas de mana, on prend du chocolat. Heureusement qu'on n'a pas de dégâts de chute. Bon. Voilà, ça c'est fait. On est toujours à la recherche d'une zone de sauvegarde, hein, je rappelle. On n'a toujours pas sauvegardé depuis la dernière fois. Ah, évidemment. Ah oui, même ça, ça va être compliqué. Ah! Oh, je pensais qu'il avait été... Je pensais qu'il était mort. On se doutait qu'elle avait une ambition de grandeur, mais quand même. Yes. Ah, c'est les mêmes en fait. C'est véritablement les mêmes unités. C'est juste qu'ils sont en version plus grosse, mais c'est tout. Oh, donc j'ai même pas de... Ouais, donc il faut vraiment que... Vraiment, je trouve une zone de sauvegarde. Ah! Une librairie. C'est des grands livres. La vache! Je le sens pas trop là! Ah! Bonheur! Première zone de sauvegarde. Depuis un bon moment. Donc là, on va avoir très certainement un boss. Hein, on est d'accord. Il est grand, il est musculeux. Il est derrière des bouquins. Bref, il y a de grandes chances que ça soit un boss. Je suis bien équipé de l'Aegis, ouais.
Il me paraît bizarre ce boss. À la fois très simple et... Ah, c'est parce que normalement j'aurais dû être encore en bas. Donc là, ça aurait été un truc vraiment compliqué. Ah, il est en train de me piquer mon pognon là. T'as pas le droit de me piquer mon pognon. Ah ouais, non, la zone, ce boss là aurait été monstrueux si j'étais pas resté Transformez 1% de votre or total en projectile. D'accord. Ah oui, non, si j'avais pas eu l'armure d'Aegis, on va être d'accord là-dessus tout de suite. Ça aurait été un gros bordel ce machin là. Il y a un coffre. J'y ai pas accès, merde. Il y a vraiment un truc qui va me faire passer à travers les murs, c'est pas possible. Ouch. D'accord. Coffre. J'ai loupé un coffre. Désolé, mais c'est un coffre. Techniquement, il y a des chances qu'il soit intéressant ou que ça puisse me débloquer. Non. Bon, bah, on va continuer. C'est long, mais on sait déjà comment on fait. Petite salle. Ah, zone. Ça va être long. Tape, 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 c'est ma façon d'aimer. D'accord. Aïe. Ah zut. Ah donc c'était vraiment une petite zone annexe celle-ci. D'accord. Yes. J'ai cru pendant une seconde qu'il allait y avoir un boss là, hein, vu le visuel. Oh là. Lerk. D'accord, donc on était littéralement sur la zone du puits. Ah la vache. Ah, nouveau boss. Pas de nouvelle zone, on va regarder de l'autre côté. Donc il n'y avait vraiment rien. C'est vraiment plein de petites zones qu'on a déjà faites en version très grande. D'accord. Donc si on se rappelle d'à peu près toute la map, tombeau de glace. Oh.
Un tombeau de glace. Ça a l'air qualitatif tout ça. Est-ce que vous auriez une zone de sauvegarde? Étonnamment, j'ai un doute. Ah! Une zone de sauvegarde devant une archive. Enfin, une zone devant une archive. Donc, le Zangetsu, c'est tac, 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 avec... D'accord, donc on va s'entraîner. Oh! Joli. Ah, c'est pas une zone de sauvegarde, c'est une zone de TP! Bon. Bah on va aller, alors je pense que on doit pas forcément être très loin de la fin. Parce que je vous rappelle qu'on est quand même parti pour se faire le boss. Donc je pense que je ne vais pas couper. Et je vais arriver jusqu'à la fin. Là. Je pense, l'épisode risque d'être un peu long. Mais je suppute fortement que là on va vraiment être sur la fin du jeu. Alors si... D'accord, donc c'est elle qui prend le relais. D'accord. Ce qui est logique puisqu'elle est là depuis le départ, j'aurais pu en douter. Elle était à côté depuis le départ, j'aurais pu me douter qu'il y en a un des deux qui allait... Enfin, une des deux techniquement, parce que c'est deux demoiselles, qui allait... in fine... nous trahir. Bon. Alors je ne sais pas... Si c'est en dessous, aïe. Armure de cristal. Qualitatif. Et PM+, ça, ça se prend aussi. Inventaire. Non, équipement. Attendez, parce que là... Alors on va regarder la mur d'Agis tant que je suis pas devant un boss. Et après je vais mettre la tenue du ninja hein, parce que là faut pas déconner. Donc a priori c'est pas ici. D'accord, donc ça c'était un... De l'argent. La vache! Eh ben, et donc? D'accord. Qualitatif ce machin. Waouh. Ah ouais. C'est pas une petite. C'est pas une petite hache qui balance lui. Ils sont sacrément ils ont une quantité de PV absolument monstrueuse. Dis-moi que c'est des âges de sauvegarde. Non. Ça peut pas être une zone où il y a rien. Voilà. C'était obligé qu'il y avait un coffre, ça pouvait pas être une zone. Bon, j'ai rien dit. Ah, sonne ici. Sauvegarde. Non. Non. Aïe, je l'avais pas vu. Non plus. Ah.
Oh la vache! Mais sans déconner! Allons voir là-bas. Ah oui, donc là, il n'y a vraiment rien, donc a priori, je ne peux pas. Ouais, vous savez quoi? Ah ouais, d'accord, c'était vraiment que pour ça. Waouh, les dégâts que je me suis pris. Et j'ai plus de magie. Bon, c'était pas par là. Là-bas, je peux pas. Donc, c'est par là-bas. Oh, 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 oh. Ouais, bon, bah... C'est quoi ce machin? Ah, c'est quoi ces machins? Ça se prend des dégâts. Une zone de sauvegarde serait la bienvenue. Oh, misère, merci. Bon. Alors, je rappelle que là, j'ai plus de potions. Et que je risque de me faire sûrement le boss final. Ah là, je voyais, effectivement, on va vraiment... Ouais, là, c'était obligé. D'accord. Tu as ma merci. Ah merde! Bon, bah vous me direz, moi elle est grande. Baël, d'accord, donc en fait il va y avoir encore un autre boss après. Ah oui, attendez. Inventaire. Non, fragment. J'ai l'impression de combattre une version amoindrie de... Ah, les demi-lunes rouges sont plus costauds. Une version amoindrie de... Comment ça s'appelle? Du maître de l'horlogerie dans les Castlevania classiques. Donc la mort. Et toi? Ah ouais. Tant qu'à faire. Aïe!
J'ai plus de PV. J'ai rien pour m'ordonner. Ah si. Ah bah non. Bon bah. Ah, ça risque d'être problématique. Voilà. Mais en vrai, c'est faisable. Largement, je vais continuer quand même comme mis pas mal de dégâts. Allez, on rappelle le sabre. Ouais, vas-y, je me les prends tous. Fais automatiquement des critiques sur la madame. Oh, je l'ai pas vu celui-là. C'est bon, première phase faite. On se pose, on se cale bien. Alors là, il va me faire un rayon qui va être une horreur à esquiver. Je vais me prendre beaucoup de dégâts dans la gueule. On va regarder l'inventaire, on va regarder nos points de magie, nos points de vie sont à peu près bons. Ah ouais, il m'a fait 3 passes là. Ouais, d'accord. Pourquoi pas. Normalement, on n'a pas 3 passes, on en a que 2, mais c'est pas grave. Merci. Allez, on y arrive, on y arrive. Là, il va me faire son... sa grosse lance. Grosse lance. On s'écarte. On va avoir assez. On va quand même se mettre la popo. Ah là ça a bugué. On en profite. Yes. 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 Vous avez même pas idée combien, depuis combien de temps j'y suis. Ouh. Ralentissement, téléportez-vous à une distance proche dans la direction indiquée. D'accord. C'est tout. Donc on peut vraiment se téléporter à travers la matière maintenant. On va aller se... enregistrer. Voir ce qui se trouve en dessous, parce qu'on n'a toujours pas été voir. Et je sais plus ou moins à l'endroit où il faut aller. Hein. C'est l'endroit où il y avait une petite plaque. Ah, on aurait pu y aller. C'était de l'argent. Une petite plaque de neige. On va aller réenregistrer. Et on va aller très certainement se faire le dernier boss, parce que là déjà c'était pour moi le dernier boss. Je reviens tout de suite, le chat qui fait des bêtises. Hop. Mon petit Lucky qui fait des bêtises, c'est pas grave, on enchaîne. On va aller se faire le boss et qui sait, potentiellement il y a peut-être moyen de se faire les derniers boss. Enfin, ce qui arrive à la fin là, il y a peut-être moyen de se le faire sans se prendre de dégâts.
Voilà, lui est mort. Je peux passer. Ah, il est avec un fly. Alors, faut savoir que c'est à quel endroit. Il faut que je reparte par là. Voilà. Donc il faut que j'utilise le dernier fragment qui doit être là-dessus. Non, c'est là-dessus. Ralentissement. D'accord, je détermine à l'endroit où je vais. Ah oui, donc on passe vraiment à travers le... à travers la matière. Ouh, la musique elle a changé. Boss. Zone de sauvegarde. On va lancer ça et je vais très certainement faire une coupure comme j'ai fait pour l'autre. Parce que je pense que... honnêtement, là j'ai pas encore fait de coupure, je suis à déjà une, plus d'une heure de jeu et vous allez entendre m'entendre jurer mes façons version monstrueux pendant un long moment donc. Ah! Alfred was afraid of what you could do with the shards, but not I. Look at you. Is that what you wanted? Oh, don't think me un... I have you and Johannes to thank for teaching me the alchemy... D'accord. ...which you gave... Why are you... Because once again, the demons appeared. And once again, while his servants were slaughtered merciless, so I began to wonder... What if the Lord we grovel and if so, I wash my because God can rot. I decided to seek a higher path. Do you realize how many people they deserve to die because they were weak and more this home. If the last summoning had been enough, I wouldn't have. You're after a more powerful demon. Cheapo's crystal wasn't enough to summon. Smart girl. I like that. So I made sure you would obtain shards and acclimate yourself to then Gremory could possess you after the battle with Jebel had won. If Zanget doing the right thing. You know what? D'accord. Leave me no choice but to play my I will use my crystal and the Libelo guide. D'accord, donc là je vais taper un gros démon de la mort. D'accord. D'accord. Fragment. Ah ouais, non, mais c'est notre... Je me demande si elle utilise juste ceux qu'on a, ceux qu'on lui a vendus. Ah.
Ouch, je pensais que je l'avais eu. Oh la vache! D'accord! Bon! Et bah vous savez quoi, il va y avoir très certainement un cut! Parce que là, j'ai les mimines qui commencent à fatiguer. Il va très certainement avoir un cut et vous verrez le moment où j'aurai réussi ou pas! Sur ce, à tout de suite! Heureux! J'ai été me chercher des potions, j'ai été chercher une nouvelle épée, vous allez voir. Ah zut. Hop, faut esquiver le temps que... Ah. Bah alors. Merci. Ah non, j'étais pas dessus. Alors, attendez. Alors celui-là, je suis quasiment certain de ne pas lui avoir vendu. Yes! Celle-là est morte! À une de moins! Pourquoi je sens que c'est le truc qui va apparaître. Ouais. What? Ah non, ah non, 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 faut pas que je me tape ça. Si. D'accord. Donc je me balade sur leur tête. What? Faut que je comprenne comment le battre, hein, le machin. En gros, je peux taper que quand les têtes sont visibles. Faut pas que je me tape les têtes. Et en plus, je suis tout le temps en mouvement. Ce qui n'est pas agréable. C'est vraiment pas ce qu'il y a de plus simple. D'accord. What? Elle est encore là, elle? Je ne sais même pas. Aïe. J'ai plus de magie. J'ai plus de magie? Si, j'ai encore un peu de magie. Aïe. Il va falloir que je le tape à la main, ça va pas être forcément des plus évidents. Bon bah voilà. Ouh.
Oh, l'âme liminale, ça me donne 2 points de magie. Aïe 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 aïe! Couché toi! Aïe! Aïe! Yes! Qu'est-ce qui s'était passé? Aïe. Ah toi t'es mort. Ah j'ai tué une des têtes. Ah la vache. Donc logiquement il est bientôt mort en fait. Il y a une des têtes qui me fait plus de dégâts. Et que je peux plus cibler. J'ai vraiment plus rien pour me soigner. Parce que là, j'ai tué 2 têtes. Ah, je suis pas une carabosse. Quoi, il est encore en vie lui? Mais je croyais que j'avais buté. Oh! Les amis! Allez, on est reparti se faire. Miss, je me suis foutu de votre gueule. Ah! Bon, ça fait un peu mal, mais ça va. Aïe. Aïe. Ah, plus de magie. On récupère un peu les points de vie. Yes! Bon, j'ai utilisé quelques potions, quelques éthers, mais ça devrait le faire. On se remet à fond en points de magie. Et on va pleurer déjà. Voilà. Point de magie.
va remettre un petit peu de point de vie. De points de magie. Plus de points de vie non plus. Bon, lui est apparemment... J'ai plus rien, si encore un peu de limonade. C'est extrêmement compliqué à gérer quand même. Bon, lui est mort. Lui est mort. Allez, meurs. Yes! 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 Oh, qualitatif.
C'est terminé. Et donc on aura vu toutes les fins de ce jeu. On aura vu toutes les fins du jeu, on les aura toutes faites. Si ça c'est pas un playthrough, je sais pas ce que c'est. Oh que c'est beau, regardez-moi ça, une série qui s'achève, c'est tellement, mais tellement triste. J'espère que vous avez passé un très bon moment à regarder les différentes vidéos sur Bloodstained. Moi personnellement j'ai passé un excellent moment à faire tout ça. La dernière vidéo a été un peu plus longue parce que j'allais pas vous arrêter à 2 cm du Blood Sangria comme dirait l'autre. Ce jeu est très 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 bon. Il emprunte quand même à son aîné, à Symphony of the Night, pas mal de bonnes choses. Il y a quelques petites choses qui sont inégales, on va dire. Pas forcément très logiques. Mais bon, après, Symphony of the Night est aussi empreint d'une certaine nostalgie. C'est notre enfance, donc c'est pour ça qu'on ne tape pas véritablement dessus, quoi qu'il arrive. Mais là, le jeu est vraiment de très bonne facture, très bonne qualité. Je ne peux que vous le conseiller, sachant qu'en plus, sur Instant Gaming, il se trouve pas cher du tout. J'espère qu'on peut accélérer ce générique. Oui, on peut. Oh, c'est merveilleux. Ils ont pensé à tout. Ah, ça fait plaisir quand même. Ça fait plaisir quand même de voir la fin de ce jeu. Ça avance. Eh ben, si on n'est pas, là d'avoir fini, s'ils nous font tous les boss un par un. Je crois qu'il y a un boss que j'ai pas fait. Mais vous savez quoi? J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça ne vous coûte rien, mais moi ça me fera extrêmement plaisir. N'hésitez pas non plus à rester, il y a une petite surprise à la toute fin de la vidéo. Un petit combat optionnel. Oui, je vois les trucs passer sur la... comme ça, c'est pas... c'est marrant. Un petit combat optionnel que j'ai fait au moment où j'étais parti chercher mes potions. Un petit boss alternatif. Un petit boss caché que je vous ai décaché. Oui, je n'ai pas fait la map en entier. Mais après tout... le but, c'était de voir la vraie fin du jeu, non? Allez, je vous dis à la prochaine. Bye. Bon, bah, je suis tombé sur ça pendant que j'étais en train de faire mon leveling. Donc, bah, on va se le taper. Ça a pas l'air costaud. Oh, on sent quand même la patte. Voilà. C'est littéralement les belles montes. Hein. Tiens, il a fait tomber un truc. Un crâne ensanglanté, c'est dégueulasse. Il se déplace comme les belles montes, il a les mêmes techniques. Ouais, c'est littéralement le petit clin d'œil.
Eh ben, éco sol, monsieur. D'ailleurs, l'arme que j'ai récupérée est une arme que vous avez dû voir sur la vidéo, puisque je pense que je ferai passer ça en bonus. Vous avez dû voir sur la vidéo qui est une arme que j'ai récupérée. Ah ouais, donc c'est vraiment tout pareil. Que j'ai récupéré. Aïe. Voilà. D'accord, donc c'est véritablement la belle montre.